All right. Let's do this. Bonsoir. Comment ça va? Peu fondu le truc, a pas aimé le four, le gobelet. Stig. Alors ça, c'est censé être un peu plus haut. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un petit problème de connexion, on dirait. Oh oh. Ok. Tiens, je viens juste de peindre mon épée, j'ai pas les doigts très propres. Ça va pas coller ça. Hey Corsia. Oh ben tabarnak. Si c'est pas un petit. Le pire, c'est que j'ai l'impression de t'entendre quand je lis ça. Ça fonctionne bien, comme on voit. Alors, dans quel sens j'avais mis ça déjà? Bon, bah, je vais tout recommencer depuis le début, ce sera plus simple. Moi, je suis claqué. J'ai fait 2 jours d'animation médiévale à la Vallée des Saints. Initiation à l'épée avec le public. On avait des épées en mousse.
Et le dimanche, il y a eu du monde tout l'après-midi et ça s'est pas arrêté en fait. Donc j'ai passé tout l'après-midi et un peu le samedi et tout le dimanche à me battre à l'épée avec des gens. Putain, j'ai mal partout. Alors montrer comment on attaque, montrer comment on se défend et mettre ça en pratique. Avec un petit show entre temps. Là pour le coup, j'en ai plein les bras. C'était des armes légères, mais je le sens quand même. Moi, c'est en FDS que j'ai un petit grandeur nature. C'est quoi FDS? Tu sais que je suis pas très doué avec les abréviations. Ah. Bien. Tu me le dis à chaque fois, ça? À chaque fois que tu viens, mais du coup, comme il se passe du temps entre les deux, j'ai oublié entre temps. Perd la boule, c'est la vieillesse. Si je commence à fermer un œil dès le début du stream, ça va pas le faire. J'ai cuit le pépère tout à l'heure, donc là il est dur en bas, c'est bien. Comme ça je peux le manipuler un peu plus facilement. Je t'ai envoyé une image sur tes réseaux sociaux, tu regarderas ça. Ça devrait te rappeler des souvenirs. Qu'est-ce que c'est? Je vais regarder ça. T'as mis ça où exactement? Impatient, je vais les voir tout de suite. Tu l'as eu ton logo? La truite volante. C'est Namébert qui t'a fait ça? Hey, Mr. Seeker.
Comment ça va? Comment les doigts sont noirs? Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai les doigts si sales, c'est que je viens de... J'ai commencé à peindre une épée d'entraînement que je viens de recevoir. Mais elle était toute noire alors. On peut pas la garder noire. Du coup, j'ai commencé à la peindre. Je m'attendais à un truc en espèce de caoutchouc dur et en fait non, c'est du plastique en polio, je sais pas quoi là. L'emblème d'une noble famille, la famille Barbeau. T'as raison. Fais gaffe, il y a la mère Barbeau est là ce soir, hein, donc fais attention à ce que tu dis. Hein. Ah non, mais ça démarre en général gentiment et puis après ça peut vite dégénérer, on sait pas, hein, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Bien moche cette main pour l'instant.
La colle à bois a bien réparé la montagne, ça tient bien maintenant. Ouais, c'est non mais c'est nickel la colle à bois. En même temps, c'est fait exprès, hein, c'est du papier donc. Moi, j'ai eu moins de chance parce que mes rochers en granit que j'avais fait magnifique, tout le monde a kiffé, mais ils ont pas fait le week-end. Donc, il faut que je trouve une autre. Enfin, en fait, ils ont pas fait le week-end parce que à l'intérieur du rocher, c'était du polystyrène pour avoir la masse. Et en fait, le papier mâché a pas tenu sur le polystyrène. Ça tient comme ça quand on n'y touche pas. Mais dès que tu le lances avec une catapulte sur un château en bois, ça fonctionne pas très longtemps. Donc, sur mes 5 rochers que j'ai fabriqués exprès, aucun a survécu. Donc, il faut que je remplace le polystyrène par autre chose et je vais essayer avec du papier à l'intérieur. Je vais lester avec une pierre quand même pour qu'il soit pas trop léger. Et je pense que là, du coup, le papier mâché tiendra beaucoup mieux sur le papier puisque c'est du papier, donc que du papier avec de la colle à bois, normalement, il n'y a plus rien qui bouge après. Donc voilà, faut essayer encore. C'est con, c'est pas mal d'heures de boulot pour rien du tout, mais c'est comme ça qu'on apprend. Faire du décor qui n'est pas touché et faire un décor qui va vraiment servir, c'est deux choses bien différentes. En train de mettre plein de petites poudres noires dans ma pâte là, plein de peinture. Pourrait se laver les mains quand même, hein. C'est pas sérieux ça. T'as commencé à regarder les anneaux de pouvoir, Courcia? C'est un peu étonnant que tu me dises non, mais. Deux épisodes pour l'instant. Bien. Bing, bing! Le mystérieux personnage qui tombe du ciel est arrivé, du coup, là, il me semble. Je crois que j'en ai regardé 4, moi. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. Je crois qu'il faut vraiment connaître
l'univers de Tolkien comme sa poche et s'offenser assez rapidement pour avoir un problème avec la série. Hey Barlow! How you doing? Ça reste un divertissement à la base. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. You don't get notification. You don't get any notification? Why? Strange. Are you following the channel? Almost my last day of holiday. Oh, hey, hey. And you spending that time with me. How wonderful is that? So back to work tomorrow. What is it you do? If I may ask. I think you told me already, but I have a small brain. And oh, you make biscuits. I think I knew that. So is that like a big factory, or is it like a pastry things? Yeah, 300 is already a good number. So it's a factory. Dickhead. On lui fait une tête comme ça, c'est bien, hein? Tête de bite, on va l'appeler. Yeah, that's family run. Okay, so it's a family business. Are you planning to keep on going the family business, or is it just something that, you know,
while you are having your own stuff. Maybe one day you'll be the one who run that factory. Oh, I forgot to put the... Oh no! So stupid. Alright, never mind. Okay, so he's looking in that direction. Christmas hat. Yep. You should have a link. You should have a link just... No, over there. Somewhere over there. Just there. Thank you.
Ça, on va lui mettre une petite écharpe. On va lui mettre la petite écharpe aussi. Ça fait froid. Le petit tablier. Bonsoir, Aiden. Cool. Thank you, Barlow. I think I'm following your Instagram already. It's been a while now. I think the first time I saw your crazy ballpoint pen design, like, oh wow, another ballpoint pen artist, great. Yeah, we are not that much ballpoint pen artist on Twitch. It's not the right tool. It's all about what tool to use. It would be more handy if the head stopped moving, but I'm not gonna beg that guy multiple times. Think so, yeah. Let me check. But I think I'm following you on Instagram already. Bom 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 bom. Step Maggie. Oh no. I thought I did. Yeah, that's why I'm probably mistaken. Yeah, probably. Ça va? Ça va, ça va? Et toi, ça va? Let's play the Sava game. Put some fur on that hat.
Okay. We're gonna have that's where the tricky business starts. Let's give him a scarf first before I can finish the hat. Yeah, I think I follow you back right now already. Let me check. Okay, got you. Yeah, I'm following you. Some good stuff there. I like the dwarf face. Pretty funny. I'm trying to get myself away from funny dwarves. I realize Emery, that the dude that I'm working on with for our comic book, made me realize that most of my dwarves are kind of funny, and most of the time they are depicted, you know, like funny looking dude. Even in the new Lord of the Rings series, they're like, you know, farting and belching, and you know, they are usually depicted like funny guys. And I don't want my dwarf to look funny. I want my dwarf to look badass. So I'm gonna work on that. And part of why my dwarfs usually looks kind of cute is because I'm using the toddler scale for them, you know. Little torso, big head, small arms, and small legs. And those small arms make them look cute, which is not what I want. So I'm starting to elongate those arms and make sure we have nice, you know, muscle definition and very strong face expression. So the big sketch I made, I'm gonna start, you know, inking that pretty soon, next Thursday actually. So yeah, I mean, they can belch, but you won't see that on the comic book anyway. But you know, they will do that, you know, as often that we do. But you know what I mean by, you know, just trying to make them more serious than they're usually being depicted. All right, let's have a scarf. Yeah, it's too thin as a scarf. All right, more. You put that like that so you can see the dude while I'm doing that. Yo, comment va l'ami FX?
FX, the sculptor is in the place, ladies and gentlemen. Everybody say hi to my good friend FX. Salut, salut. Mr. Mushroom. I won't suggest to eat those. Maybe you can smoke them, yeah. Ok, on va avoir une bonne longueur d'écharpe là. Hop. C'est parti. Bonne nuit, à tout à l'heure. Ok, so let's cut. Hop là, attends. Tout le monde m'appelle Magnum aujourd'hui. Y a un truc que j'ai raté? Toi là, non? Oh putain, la vache! Ouais, c'est pas beau de vieillir. Mais il change de nom tout le temps aussi. Donc ça c'est du... C'est la même chose que ça. C'est du Sculpey aussi, mais il est liquide. Donc du coup... Ça sert de colle. Ça va solidariser les deux parties. Je mets ça en général quand je mets une pièce que je veux que ça tienne. Alors... Oula, 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 je voyais pas ça aussi gros. Attends, 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 où tu vas? Là. Oh. J'ai mon portable qui commence à me faire des notifications. C'est l'un d'entre vous. Alors, est-ce que je vais passer en dessous? Là, je pars en impro total. RAB. J'aimerais bien que ça passe dessous. D'une manière ou d'une autre.
que j'ai pas une plus grosse boule? Ça, je vais le faire ressortir par là. Il faudrait me laisser un peu d'espace quand même. Non, je peux pas. Allez. Mais c'est quoi cette écharpe? Mon gars, est-ce que pas d'avoir froid avec une écharpe comme ça? Avec la canicule, pas besoin d'écharpe pour le froid. Ben, de notre côté, ça revient vite. Hein. Le matin, il y a du givre sur les carreaux. Hein. Je sais plus trop comment habiller les gamins parce que le matin ça caille pour aller à l'école. Genre ils partent, il fait 7. Et puis dans l'après-midi il fait 19 après. Au soleil. Donc là il y a quelques gamins qui commencent à être malades. Alors ça, je sais déjà que ça va être trop fragile et que ça va péter, donc on va le mettre sur le côté. Faut toujours qu'il y a un truc en dessous parce que sinon, quelque chose derrière. Ça, j'ai appris ça avec la dernière fois que j'ai fait le tablier de ton marchand de marron. Ça pendouillait entre ses jambes. Le gars, je l'ai pris, pof, ça a pété. Direct.
c'est un peu trop large, ça, ça me plaît pas. Alors, on va diminuer un peu la largeur de l'écharpe. Peut-être lui serrer les doigts quand même. Ça va être beaucoup trop fragile. J'ai pas envie de mettre 5 petits foules de fer dedans le truc quoi. Au départ, je pensais lui faire faire un truc comme ça, mais ça, ça va être trop fragile, beaucoup trop fragile. Donc je crois qu'il va, il va faire autrement. Ou alors je lui mets des. Ouais, mais il va pas avoir des moufles que d'un côté, ça va faire con. Bientôt l'heure de manger chez toi. Je vois que vous êtes toujours toujours aussi décalé. Ah, mais il n'y a pas tant de décalage que ça quand même en Alsace, qu'est-ce que tu me dis?
commencé à me dire, mais merde. Je sais que je suis con, mais quand même. Bon, comment tu la sens cette petite écharpe? Elle te plaît ou pas? Mens. Mens. Bon, c'est plutôt une grosse écharpe, hein, tu me diras, mais. Maintenant qu'elle a son écharpe, on peut lui faire son bonnet de Noël. J'ai prévu de lui mettre sur la tête. Je me demande si je vais pas devoir attendre que ça soit cuit, ça. Ouais. Je le mettrai après. Est-ce que c'est trop mou, tout ça, ça bouge de partout, ça va pas le faire. Je ferai une autre deuxième cuisson. Et on fera une troisième séance pour finir. Pour l'instant, je vais bosser sur les morceaux, voir même un peu sa tronche. Attention les yeux. Il faut que tu restes collé là, hein, sinon je peux pas. Pouvoir te sculpter si tu restes pas sur la tronche. Merci beaucoup. Il me faut une petite boule, plus petit que ça encore. Non, c'est encore trop gros. Voilà.
Il est content. Oui, il est content. Mais oui, il est content. Plein juste à côté, comme dirait mon père. Bien raté cet œil. C'est pas, on va pousser ça sur le côté parce que je trouve que ça manque un peu de barbac là. Je peux rien faire avec mes deux yeux ouverts, c'est fou ça. Mais non, c'est le contraire, mais il est con, du coup. Hein.
Merde, je suis en train d'écraser l'écharpe. Bon. Ok, je suis pas doué pour faire les visages. Bon, alors. Le pire, c'est qu'il faut faire l'autre côté maintenant. Faire ces petites rides du coin de l'œil là si je peux. Un petit peu trop forcé.
problème quand je ferme un œil, c'est que j'ai plus du tout de notion de profondeur. Alors, j'ai plus qu'une seule image, ça c'est bien, mais j'ai plus de notion de profondeur. Donc je suis là en train d'attendre que mon truc arrive. Et quand il arrive, merde. Je suis trop loin. C'est pas l'idéal. Et du coup, dès que je regarde l'écran, pouf, je vois plus rien. Faut dire que je suis un peu fatigué d'hier. J'aime comme les messages sont en live. Ouais, on va falloir un troisième bake. Un deuxième bake, pardon. Alors je le repasse au four une deuxième fois parce que là, ça devient délicat. Son visage est pas un peu trop gros d'ailleurs. Look like so. Ça tient à peine sur la tête, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Non, je vais pas y arriver. Hein. Mes yeux veulent pas bosser ce soir. Y a rien à faire. Hein. Je vois rien. J'ai toute cette partie-là du visage. Je peux pas parce que mes yeux ne veulent pas faire le point. Est-ce que j'entends des bruits de d'eau alors personne n'utilise l'eau? Ah ouais, d'accord, donc la manche est en train de tourner autour du... Oh, merde. Elle est en train de tourner autour du fil de fer. Au lieu de s'accrocher dessus.
dis pas que j'ai écrasé les doigts que j'ai fait tout à l'heure. Et merde, c'est ce que j'ai fait. Bon. Bon, je fais que des conneries là. Je vais. Je pense que ça sert à rien d'insister. Non, je vois rien. Non, je louche complètement, j'y arrive pas. Ok, bah c'est pas grave, de toute façon la pâte elle ne va pas durcir toute seule, donc je reviendrai dessus une prochaine fois parce que là ça fonctionne pas. J'ai les yeux qui se barrent en cacahuète, je vois rien de ce que je fais, je fais de la merde. Ok, bon, eh bien, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. C'est un petit stream. Et mes yeux veulent pas. Fatigué. Je vais hésiter un petit peu. Et puis là, la sculpture, si les yeux veulent pas, c'est pas la peine. Hein. Alors l'avantage c'est ça, c'est que tant que je l'ai pas cuit, ça va rester mou, donc je pourrais revenir dessus peut-être dans la matinée quand les yeux se seront réparés un peu. Surtout pour le visage parce que c'est une cata. T'as vu d'ailleurs? M'a vu d'ailleurs. Ouais. Quoi? Là, je vois plus rien. Alors, allez me pioter. Ah, bien. Il revient un petit peu. Il est plus mort. Bah, j'espérais quand même qu'il soit pas mort. C'était son chat qui est mort, mais pas lui. Bah c'est bien, ça revient un petit peu de temps en temps. On va aller voir qui c'est qui stream là, et puis je vais aller me pioter. En tout cas, merci d'être passé ce matin, ce soir. Thank you very much for coming this evening. I'm gonna stop there, cause my eyes don't want to work. So there's no point to fight, and I can't see one single sculpt, I see two. Bah, je me lève à 6h en plus, puis j'ai pas encore récupéré de ce week-end. Donc, lundi prochain, on finit. Ok. À plus tard, bonne nuit. À plus tard. Si vous voulez rester un petit peu, on va aller faire un raid. Et puis après, dodo, hein. Merci beaucoup, thank you very much, and see you next time.
should do that.